Couture, please be seated. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Et l'audience. The prosecution, you may proceed. Le procureur, vous avez la parole. Mr. President, is that working? Monsieur le Président. Mr. President, I rise at this point not to deliberately interrupt my learned friend, but there is a matter of law that has arisen this morning, and I'd like to explain it, please, and invite some further matters to be taken care of. Mr. President, both defense teams have referred now to witness statements in their cross-examination in respect of witnesses who have not testified. I refer to the statements of Heng Samrin yesterday and this morning to the statements of Ko Vani 19.71 and Tion Prasit, which was an OCIJ statement. Now, Mr. President, we have no problem with this, but it impacts upon another important aspect of evidence yet to be decided upon by the trial chamber, namely the OCP application to admit witness statements in lieu of oral testimony. The defense has so far insisted that these statements, insofar as they relate to acts and conduct of the accused, cannot be admitted into evidence unless the makers of these statements testify. Yet they have, over the past 2 days now, referred to these statements in cross-examination, even in circumstances where the statements refer to the acts and conduct of the accused. The defense teams, in their responses to the OCP application to admit witness statements in lieu of oral testimony, have submitted that the test of exclusion is much wider than acts and conduct and includes pivotal issues, evidence going to important issues, and also even evidence of authority structures. And, Mr. President, impliedly, by the defense teams referring to these statements, it seems that the defense are withdrawing their objections to the admission of such statements absent cross-examination. So my application at this stage is twofold. Firstly, for the defense to confirm its position, and if it is not sufficiently clarified, secondly, for the trial chamber to note my application today as a factor to be considered when the trial chamber ultimately decides whether to admit such statements in lieu of cross-examination. Thank you. Déclaration en lieu de déposition orale en cadre dans un cadre d'interrogatoire. Thank you, Mr. Prosecutor. Merci, Monsieur le Procureur. The counsel for Kyesampond, you may proceed. Le conseil de Kyesampond, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Une clarification de droit essentielle. I would like to make a point of clarification, a legal point of clarification, which is dans essential. Dans quelles conditions nous avons utilisé les déclarations dont Monsieur le Co-procureur soutient que nous serions en train de nous rétracter
de notre demande d'exclure tous les éléments relatifs aux actes et à la conduite des accusés. Premièrement, jamais n'a été dans notre intention de revenir sur ce point. Et je tiens à noter la particularité de l'exercice de l'interrogatoire et du contre-interrogatoire. Nous avons un témoin aujourd'hui qui est venu avec le statut de témoin factuel, puisque il n'a pas souhaité déposer en tant qu'expert. Il n'en demeure pas moins que, dans le cadre de son travail, que ce soit en tant que chercheur, que ce soit en tant que membre du bureau des coachs d'instruction ou bureau des coprocureurs, il a été amené à prendre un certain nombre de déclarations. Des déclarations qui ont été utilisées par monsieur le coprocureur dans le cadre de son interrogatoire, puisqu'il s'agissait de confirmer qu'ils ont bien été utilisés comme des bases et comme des sources dans le cadre des écrits de Monsieur Heder. Dans ces conditions, et parce que on se réfère au contenu de la déposition de ces témoins ou de ces personnes dans le cadre de notes de bas de page, notre seule façon soit d'avoir des informations sur les autres éléments que M. Heder a, c'est de le confronter à d'autres documents, puisque par principe, nous ne pouvons pas lui poser des questions comme à un expert. Je prends l'exemple. Si je n'étais pas parti du document de la déclaration de Tune Prasit à laquelle témoin a eu accès, je n'aurais pas pu avoir de base suffisamment solide pour parler de façon plus générale des autres éléments qu'il a pu avoir en sa possession. Encore une fois, il s'agit d'une technique de l'interrogatoire de M. Heder en particulier, qui est suscitée par la particularité de son parcours, qui est qu'il n'est pas, à part pour la période de 73 à 11 avril 75, témoin des faits, mais qu'il faut qu'on puisse lui faire parler du contenu du dossier sans lui poser de questions comme un expert. Donc c'était le seul moyen, en utilisant des documents qui sont au dossier et dont il a connaissance, de lui faire parler de choses plus générales dans le cadre des enquêtes qu'il a menées. Ce que nous vous demandons, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs de la Chambre, ce n'est pas de considérer les documents que nous avons cité comme étant le témoignage de Monsieur Heder. Ce qui nous intéresse, c'est la réponse que Monsieur Heder a donnée à la suite de la confrontation avec les documents que nous lui avons présentés. En un mot, quand je demande à Monsieur Heder, est-ce que le fait que Monsieur Tune Prasit est indiqué que le poste de M. Kyusampan en tant que commandant des chefs armés, c'est des choses que vous avez entendues, et qu'il me répond oui. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement ce que M. Tune Prasit a dit, c'est ce que me répond M. Heder en m'expliquant que dans le cadre des enquêtes qu'il a menées, dans le cadre des personnes qu'il a interrogées, c'est un fait qui est sorti de ces enquêtes. C'est ça qui m'intéresse. Donc, ce n'est pas tant ce qui est dans les déclarations qui lui sont posées, mais c'est sa réponse qui est la conséquence du document que je lui demande de commenter qui est importante. Donc, que ce soit bien clair, l'utilisation des documents que nous avons effectués jusqu'à présent, c'est pour pouvoir avoir la déposition de M. Heder sur le point et pas la déposition d'autrui. Et notamment la déposition de M. Heder, mais aussi son expérience d'enquêteur dans les circonstances que nous avons déjà rappelées. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, la Chambre a déjà tranché sur la question. Donc, il ne s'agit pas de revenir. En gros, ce que M. le co-procureur essaye de faire, c'est de revenir en disant « Ah, je ne suis pas rentré par la porte, je vais peut-être rentrer par la fenêtre. » Il n'est pas question d'aller dans ce chemin-là. Nous vous demandons encore une fois de prendre en considération que pour le moment, avec M. Heder, la seule façon que nous avons de procéder est de pouvoir lui opposer des déclarations
confront him with des éléments qui sont au dossier avec, encore une fois, le seul but d'éliciter une réponse de sa part et d'avoir son témoignage à lui et non pas le témoignage d'autres personnes. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, je pense qu'on pourrait aborder ce point à un autre moment, mais il est 2h10, on mange encore sur mon temps d'interrogatoire. Ce matin, il y a déjà une demi-heure qui a été prise. Je tiens d'ores et déjà à indiquer à la Chambre que je risque d'avoir les plus graves difficultés à terminer aujourd'hui. J'avais indiqué au tout début de la comparution de M. Eder que je demandais d'ores et déjà un supplément de temps. La demande n'en est que plus d'actualité. Je ne sais pas si mes confrères de l'équipe de Nunchia souhaitent également intervenir. Petite précision aussi, et j'en aurais terminé, puisque le nom a été cité de Mme Kovani alors qu'il me semble qu'elle avait un pseudonyme et que c'était la démarche de la Chambre telle que rappelée par M. le Président ce matin. Mais en tout état de cause, je rappelle qu'elle figurait à l'initiale sur notre liste de témoins que nous souhaitions entendre. Mais en tout état de cause, je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas de faire rentrer en preuve des éléments que nous soumettons aux témoins. Il s'agit de les utiliser comme moyen. C'est le cas qu'on fait très traditionnellement dans le cadre d'un contre-interrogatoire, c'est de éliciter de la preuve de sa part, et c'est ce que nous vous demandons de prendre en compte, et non pas les documents que nous lui avons proposés en soi. Voilà. President, thank you, Council. And the Council for Nunchia, would you like to say something? Nunchia, vous avez la parole. Good afternoon, Mr. President, Your Honours. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames On et Messieurs. On behalf of my client Nunchia, au nom de mon client Nunchia, I would like the permission from the Chamber and from the President for my client to make a brief observation that is 3 minutes long. Qui durerait 3 minutes. And he's ready to make that observation now. Il est prêt à la formuler maintenant. President. Le président. What about the submission by the prosecutor regarding the referencing through the interviews of the witnesses who have not been summoned by the chamber? Do you have any observation or response to that? Observation, réaction sur ce point-là. Just a very quick reply, Mr. President. Monsieur le Président, très brève réaction. Nous venons de terminer un dernier projet de mémoire sur ce sujet. La question posée par le procureur. Eh bien, nous incorporerons notre réponse à sa question dans ce mémoire que nous espérons pouvoir soumettre. Pouvoir déposer demain ou après-demain sur ce même sujet. President, le président, the chamber permit Mr. Nunchia to make his observation regarding the scheduling of the hearing in questioning him. That we schedule for the forthcoming week. Nunchia, you may proceed. Par rapport au calendrier de la semaine prochaine, Nunchia, vous pouvez prendre la parole. Som korup lok luksrei chaukram. Nunchia, good afternoon, your honors. Bonjour, mesdames et messieurs les juges. I would like to make a brief notification to your honors. Brièvement, as I have always reiterated, à messieurs, mesdames les juges, comme je l'ai toujours soutenu, has failed la to respect a fair trial, a principle of fair trial, respecter le principe fair and just trial, and through my observation. I observed that the treatment towards the accused and my defense team dont a fait l'objet
is getting worse. Mon équipe de défense, I therefore have no confidence in this court. Je n'ai plus confiance par and conséquent this is en a similar position cour. Reflected by Kyo Sampon. La même position the treatment est celle by the court toward me is le unbalanced. Le traitement de la cour à mon égard as it seems to favor the prosecution. Car ce traitement semble favoriser for example, l'accusation. Recently, par exemple, my defense counsel mon conseil was prohibited from asking substantive questions in order to defend my case. Dans that is an example of injustice de son that client. My counsel is c'est prohibited from performing his si defense duty to his full capacity. Est empêché de remplir ses fonctions. This is a case of life and death for en pleine me. Mesure. C'est pour moi une question de vie et de mort. It is not just for cela granted or an expedient process to punish me ce n'est pas seulement une question with such lack of confidence and imbalanced treatment by the chamber. I would like therefore si to notify that de la part de la chambre, je voudrais faire savoir, par conséquent, in order to respond to the questions put by the prosecution and the party, I declined to do so due to this nature of injustice by this very court. I'm grateful. Je me désiste de d'y répondre, étant donné la nature de cette cour. Merci. President, the prosecution, you may proceed. Thank you, Mr. President. I'll be extremely brief. I rise in response to this statement by Nguyen Chia and to restate our request now in relation to Nguyen Chia himself, as we have done in relation to Kyu Sampan, an accused who takes the stand and gives evidence in a trial, thereby waives his right to silence. In such circumstances, a refusal to continue to answer questions can properly, and in this case now should, lead to adverse inferences being drawn against him in your consideration of the evidence. I want to inform the Chamber now, because this filing is in progress and it may or may not have reached your honours, that we have just recently, yesterday afternoon I believe, filed a response to Kyu Sampan's notification of his withdrawal from testimony, formally requesting your honours to draw negative inferences against him, and secondly, asking your honours to give us an opportunity to state in open court, in Kyu Sampan's presence, those matters of fact as to which we will invite your honours to draw negative inferences. If I can now extend that application to Nguyen Chia as well, and perhaps as a scheduling matter, this is an appropriate time for your honours to consider it, given that it appears following Mr. Heder, we may well not be hearing any more witnesses in this trial. Thank you, Your Honours. President, thank you, the prosecutor and the international lead co-lawyer. You may proceed. International, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Je vais être très brève aussi. I'm going to be very brief. Que, I simply want to say même si je suis consterné de ce que je viens d'entendre dire, je n'en suis pas du tout étonné. J'étais persuadé que cette attitude serait adoptée par Monsieur Nguyen Chia comme elle l'a été par Monsieur Kyu Sampan. Et je le regrette infiniment. Mes commentaires sont les mêmes que ceux que j'ai faits pour Monsieur Kyu Sampan. Infinitely what is happening. Je voudrais peut-être simplement en ajouter un. J'ai remarqué que depuis quelque temps, petit à petit, les accusés et leurs équipes de défense se posaient en victimes dans ce procès. Are positioning par exemple, les équipes de défense qui nous obligent à appliquer example, des règles the defense teams sur la portée du procès, to apply rules sur le fait de respecter trial, qu'une personne est témoin et non pas expert, for example, sur le fait d'être obligé de citer des références. As a witness, not as cette an même défense, quand this, il s'agit d'elle, but when we speak dit to these publiquement defense teams, que quand on lui impose les mêmes règles,
Elle est simplement empêchée de parler et que nous ne respectons pas le principe du contradictoire. Je trouve que c'est déloyal, je trouve que c'est injuste, je trouve ça incorrect. Et je trouve qu'il est bien dommage que ces positions soient aujourd'hui adoptées aussi bien par les accusés que par leur défense. This position is being followed by the accused as well as by the defense teams. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Sur le sujet, je pense que mon client s'est déjà exprimé. Well, I believe my client already spoke regarding this issue. Des observations écrites en ce sens et nous avons déjà exposé la position de M. Cressampan. Quant à la demande de M. le procureur international d'avoir une tribune pour plaider avant les plaidoiries finales, je m'y oppose avec force. Si dans le cadre de leur plaidoirie finale, les coprocureurs souhaitent plaider sur le sujet, ils plaideront ce qu'ils voudront et nous répondrons, mais au lieu à ce moment-là pour parler des inférences que vous devrez prendre dans le cadre de votre délibération et de votre verdict, peuvent tout à fait attendre les déclarations finales. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'audience particulière. S'ils veulent faire des requêtes, qu'ils les fassent, on y répondra éventuellement. Mais le moment des plaidoiries est, à mon sens, le moment des plaidoiries finales. President, the prosecution, you may proceed. Thank you, Mr. President. Extremely briefly, I do apologize for holding up the proceedings on this. The reason for that application, indeed, has to do with the application of law as to adverse inferences. Our intent is to make sure that there can be no complaint by this defense, by either of the two defendants, on appeal, that Your Honours did not put them on notice of the exact facts as to which inferences may be drawn. And that's the reason for our application. It is not to sensationalize this issue. It is to ensure that both accused are properly informed as to the issues on which adverse inferences are being requested, and on which Your Honours may draw negative inferences before the door in this trial for them to give evidence is finally closed. So we make this application out of both fairness to the accused and ensuring that notice is given to them, but also, frankly, out of fairness to victims and all the other participants in this proceedings. It is important for the accused to hear that statement so that when the proceedings close, there can be no suggestion that there was any doubt in their minds as to what we are asking your chamber, your honours, to consider in your deliberations. Nous demandons aux juges de considérer dans leurs délibérations. Merci.
The President. I hand over the floor to Judge Sylvia Cartwright to clarify on the issue raised by the prosecutor au sujet de la question soulevée par l'accusation, as well as other matters concerning the proceedings. You may proceed, Judge, please. Je vous en prie. Thank you, President. Merci, the Chamber notes the observation by the prosecutors concerning the reference by other parties to witness statements where those witnesses have not been called to testify before the Chamber, and it notes that it will deal with this matter if necessary in the verdict. Kyosan Pon's defense team has indicated that it may wish to have further time to examine this witness. That is a matter that will be decided before we adjourn for the day, and again depends on relevance, repetition, and other relevant matters. Thank you, President. I think that's the extent of our discussion. Merci, Monsieur le Président. The President. Thank you, Judge. Merci. Now I hand over the floor to the defense team for Mr. Kyu Sampon to put the question to Mr. Steve Hadder. You may proceed, counsel. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. Monsieur Hadder, rebonjour. Good afternoon, Mr. Hadder. Je reprends là où nous nous sommes arrêtés, c'est-à-dire au document 19.7.1. Je voudrais maintenant citer un autre passage de ce document. C'est le dernier document. Quote a passage from this document. 19.7.1. C'est bon, je vois que vous l'avez. La page en anglais qui m'intéresse est le 00897-68. En Khmer, 00602370. Et je demanderai que l'on puisse afficher la page à l'écran. May I request that this page be placed on the screen. En français, 00614089. En français, il s'agit du troisième paragraphe de la page. It is the third paragraph. Et voilà ce qui est indiqué. And this is what is stated. Je précise, Monsieur Hadder, que la citation est longue, parce que j'entends commenter tout le paragraphe. Donc je vais le scinder en trois parties pour pouvoir poser mes questions au fur et à mesure. Première partie, donc. Bref, les intellectuels qui travaillaient à Phnom Penh n'avaient aucune idée de la famine et des exécutions qui avaient lieu à la campagne. En 1976, alors que nous mangeions du gros à Phnom Penh, nous pensions qu'il y avait peut-être des pénuries de nourriture à la campagne. Mais en 1977-1978, nous avons pensé que ça allait mieux, comme c'était le cas à Phnom Penh, notamment parce que c'est ce qu'ils disaient à la radio. Il y avait aussi des articles avec des photographies dans les magazines. Fin de citation. Sur cette première partie de la déclaration, je souhaiterais savoir si vous avez l'occasion, dans le cadre de votre travail et de chercheur, et d'enquêteurs au sein des bureaux des juges d'instruction et des coprocureurs, si vous avez eu l'occasion de vous entretenir ou de lire des documents relatifs aux intellectuels vivant à Phnom Penh et au fait qu'ils n'étaient pas informés de ce qui se passait à la campagne. Est-ce que ça fait partie des éléments que vous avez eu à connaître dans le cadre de vos activités? Gain any knowledge of this as part of your work? Speaking with regard to, and it's clear from the rest of the paragraph, this is what
Coveney is talking about. Le paragraphe montre bien de quoi with il regard s'agit to non-party intellectuals, concernant les intellectuels n'appartenant pas au parti qui étaient confinés à Phnom Penh. Some other cases il y a certainement d'autres cas de gens qui ont dit également des choses semblables, qui me l'ont dit. Il y a aussi des cas inverses, à savoir que des gens appartenant à cette catégorie ont dit qu'ils étaient davantage conscients de la situation dans les campagnes. Le facteur déterminant, d'après mes souvenirs, c'était ce qui est indiqué ici. Those people in that category parfois, les gens de cette catégorie avaient l'occasion d'aller à la campagne by people from the countryside la visite who gave de gens de la campagne, a different indication about what the reality was than this person has différentes, described. Dis-je, par rapport à ce but certainly there are others ici. Who have given accounts similar to this person. Cas, certes, qui ont the persons in the same fait des récits similaires à cette personne-ci et qui appartenaient à la même catégorie que cette personne-ci. Je poursuis dans la lecture, puisque ça va nous amener à approfondir la question. Passage, suite donc du même paragraphe aux mêmes ERN. Alors nous pensions que tout allait bien. Pour ce qui est des gens du parti, c'est difficile à dire. Ils sont allés dans les campagnes et ont écrit des rapports à leur retour. Je ne sais pas s'ils ont vu la situation réelle ou s'ils ont dit la vérité à leur hiérarchie. Il semblerait que lorsque la hiérarchie supérieure du parti est allée dans les campagnes, les cadres des coopératives locales ont fait le ménage, ont présenté des tables remplies de nourriture et ont écarté les gens qui étaient malades ou maigres. Fin de citation. Sur ce deuxième point, alors, là encore, hein, je vous pose toujours les questions, c'est toujours une base, mais le but c'est de savoir ce que vous avez pu recueillir comme information dans le cadre de vos activités, dans votre expérience, des éléments factuels à l'appui de ce dossier. And as part of your ou de vos recherches dans le cadre de la rédaction de vos articles, est-ce que vous avez entendu ce genre d'informations ou est-ce que vous avez reçu des documents ayant trait au fait qu'il y avait effectivement du côté de certaines coopératives locales et de certaines campagnes, une façon de dissimuler à la hiérarchie la situation exacte lorsqu'il y avait des visites. Yes, there are many accounts given of beaucoup de récits the creation ont été of a false facade concernant la création d'une on those occasions when people from uniquement the center, pour les occasions people from the top, où des gens du centre visited ou the grassroots. Venaient and au niveau local. I mean, for example, yesterday par I exemple, happened to be in a car hier, with par someone hasard, j'étais dans who une voiture avec une recounted that exact qui scenario. He was in a cooperative exactement in the countryside. Ce they cette were visited était dans by une coopérative à la campagne. People from ils ont reçu la the visite local des gens d'en haut et effectivement, les cadres locaux ont mis en place ce beau décor. Those accounts differ in the ces extent to which varie the people who spoke to me quant à la mesure dans laquelle les interlocuteurs ont tiré la conclusion que cette mise en place d'une façade fonctionnait in making those who came from the top et parvenait à convaincre ceux d'en haut que la situation était telle qu'elle yes, était présentée ou non. Mais en tout cas, pour ce qui est de la tentative de créer une telle façade, qu'on y ait cru ou non, ça c'était quelque chose d'assez fréquent, voire de très fréquent. Je continue pour être complète. Troisième paragraphe. Cette personne que vous entendez donc continue en indiquant
On ne peut pas dire toutefois que le sommet de la hiérarchie n'était pas au courant, parce que dans les documents du parti, il y avait des instructions sur la manière de débrouiller la mise en œuvre du projet. Par exemple, il était indiqué qu'à certains endroits, les cadres n'avaient pas préparé de bonnes commodités pour les brigades mobiles, et que de ce fait, lorsque les brigades mobiles arrivaient, elles n'avaient aucun endroit où loger. On disait aussi qu'à certains endroits, les gens n'avaient pas suffisamment de repos et que les gens ne devraient pas travailler aux heures les plus chaudes de la journée ni pendant la nuit. Fin de citation. Sur ce troisième extrait, ma question est la suivante. Est-ce que dans le cadre de vos recherches, lecture de documents ou d'entretiens que vous avez eu à mener pour les recherches factuelles dans le cadre de votre travail auprès des co-juges d'instruction et des co-procureurs, est-ce que vous avez vu des éléments en main permettant d'indiquer qu'il y a eu, quand certaines informations sont remontées, des instructions pour changer un comportement au niveau local qui ne convenait pas? Est-ce que vous avez eu à connaître de cela dans le cadre de votre travail? Yes, both before, during, and after my work at the court, both again, and both in official documents produced presumptively at the center level, in accounts given to me by people in interviews. Dans le cadre both with regard to the issuing and the reception of such instructions. La façon dont ces instructions ont été données et reçues. Je vous remercie. J'en ai terminé avec ce document Thank you. Sur I ce am point. Done with this document as far as this point is concerned. Je voudrais en venir maintenant sur les documents que vous avez eu à consulter et sur lesquels vous avez travaillé lorsque vous étiez soit au bureau des co-juges d'instruction, soit au bureau des co-procureurs. Premièrement, c'est une question qui vous paraît stupide, mais je vais quand même la poser pour qu'on pose bien les bases de mes questions suivantes. Est-ce que, en dehors de votre travail préalable sur les le Kampuchea démocratique, est-ce que le fait que vous parlez khmer a été un critère important dans votre embauche au sein des CETC? Was your work with the Khmer one of the criteria for your hiring to work for the ECCC? Sorry, I didn't quite catch the question. Maybe there was some slippage in the translation. It wasn't clear to me. D'avoir bien compris la question. Peut-être est-ce un problème d'interprétation. En tout cas, je n'ai pas bien compris. Il n'y a pas de souci. Je vais répéter peut-être plus doucement. No problem. Est-ce que le fait que vous parlez khmer a été un critère important dans le cadre de votre recrutement pour travailler au sein des CETC, en dehors du travail antérieur que vous aviez fait sur le Kampuchea démocratique? Was it one of the criteria for your recruitment to work at the ECCC? I very much presume so, yes. Certainly, those who made the hiring decisions were fully aware of that background. Devaient indubitablement être au courant de cet aspect de mon parcours. Vous avez procédé à quelques auditions de témoins dans le cadre de ce dossier. Est-ce que lorsque vous interrogez ces témoins, vous interrogiez directement en khmer ou est-ce que vous bénéficiez de services d'interprète en plus au cas où? Assisted by interpreters.
No, directly non. In Khmer, always in the company of a, Khmer, if you will, a Cambodian co-investigator. En la présence d'un so the enquêteur business cambodgien. Was conducted by myself and Mais my co-investigator, était fait par moi-même Cambodian et par co-investigator, enquêteur, entirely cambodgien. In Khmer. Tout se faisait en Khmer. Dans le cadre de vos fonctions au sein de ce tribunal, que ce soit au bureau des co-juges d'instruction ou au bureau des co-procureurs, est-ce que vous avez eu accès à l'intégralité du dossier dans le cadre de la tenue de vos enquêtes et dans le cadre des entretiens ou des recherches que vous aviez à faire? I think so, of Je course, with the exception, oui. If I recall correctly, of those bien sûr, si categorized bon, as strictly confidential, to which access is not widely given, not given in general the way everything else is. En tout cas pas comme pour le reste des documents. Sur le point spécifique des documents confidentiels, ce n'est pas ce qui m'intéresse a priori. Au niveau des procès-verbaux disponibles du comité permanent, est-ce que vous les avez tous lus et consultés à un moment ou à un autre? Were you able to read all of them at one point or the other? All is a big word. Tous, but un grand mot. I think it's probably safe to say that I read virtually all the evidentiary documents. Frankly, some of the procedural stuff I didn't pay attention to, but the evidentiary stuff, the fond, as it's known in French, I think fond, I read comme on dit en français, virtually everything. Alors là, oui, je pense avoir lu pratiquement tout. Je voudrais d'abord donc évoquer des documents dont je sais qu'a priori vous avez eu connaissance puisque vous les avez cités en note de bas de page dans un de vos articles. Et l'article en question est le document E3/3169. Et le RN en français est le 00722073. Le RN en Khmer est le 00717113381. Et le RN en français est le 00722073. Vous avez mis bien évidemment des références de dates, et là je m'intéresse à la page que j'ai citée, à la note de bas de page 33, et comme source de ce que vous évoquez, à savoir les procès-verbaux des réunions de comité entre 1975 et 1976. Vous citez les procès-verbaux des réunions du comité permanent réunis le 2 novembre 1975, 22 février 1976, 11 mars 1976, 17 mai 1976 et 30 mai 1976. Et vous indiquez que ces procès-verbaux indiquent tous la présence de Khieu Samphan. Et que ces documents vous ont été aimablement fournis par David Chandler. Je voudrais vous communiquer en Khmer les procès-verbaux que nous avons au dossier qui correspondent à ces dates-là. Et je voudrais que vous me confirmiez que c'est bien de cela, en tout cas ce que j'ai pu
retrouver, identifier qui m'intéresse, que c'est bien de cela que vous avez parlé dans cette note de bas de page, et par la suite vous posez des questions par rapport aux enquêtes que vous avez pu mener. Avec l'autorisation de Monsieur le Président, je souhaiterais qu'on puisse donc remettre le document, le premier document, c'est E3-229, qui est le procès-verbal de la réunion du comité permanent la nuit du 22 février 1976. Qui donc, a priori, serait un document cité en note de bas de page. Avec l'aide de M. l'huissier, je souhaiterais qu'on puisse remettre le document à M. Eder, et je poserai ensuite mes questions. Le Président, vous y êtes autorisé. Le Président, vous pouvez procéder. La page qui m'intéresse est la première page, a priori, dans toutes les langues. Donc, en français, 00334958, en khmer, 00000713, en anglais, 00182625. Avant de vous poser des questions plus précisément sur le contenu, je voudrais savoir si vous avez pu parcourir le document et me confirmer que ça fait partie d'un des procès-verbaux que vous avez cités dans la note de bas de page que je viens d'indiquer, c'est-à-dire la 33 sur le document E3-3169. E3-1/169. Yes, this is one of those documents, and I'll note that the English annotations in this instance are David Chandler's, not mine. En l'espèce, les annotations en anglais sont de David Chandler et non pas de moi. Très bien. Bon, ben, en français, je n'ai de toute façon pas d'annotation, donc je ne vais pas vous poser de questions dessus. Je voudrais m'intéresser à la partie ordre du jour, les problèmes de défense du pays. Et notamment au grand 1, intitulé « Les comptes rendus au sujet de la situation de défense du pays ». Petit 1, la situation à la frontière de l'Est. Et je lis le premier paragraphe. Le super camarade Kieu rapporte. Depuis le mois de février, les Vietnamiens ont mené des opérations puissantes le long de notre frontière du côté Est, notamment à Ratanakiri, à Svay Rieng et à Kam Sam Nor. Ils sont venus se positionner sur notre territoire à 200 mètres ou à 3 km de la frontière. À certains endroits, ils ont illégalement déplacé les bornes frontalières. Quand nous les avons chassés, ils ont reculé. À d'autres endroits, ils sont venus se positionner dans les anciennes casernes de Senol, avec des hommes au nombre équivalent à une section, voire une compagnie. Ils ont dit que leur comité central leur a ordonné d'y venir. Fin de citation. Ma question est de savoir, je vous laisse peut-être le temps de terminer de lire. Perhaps I should give you enough time to finish reading the article. C'est bon. Donc ma question est de savoir si dans le cadre des enquêtes, des recherches que vous avez eu à effectuer, que ce soit dans votre travail de chercheur ou que ce soit dans le cadre d'enquêteur au sein des bureaux, des coachs d'instruction ou des co-procureurs, est-ce que vous avez eu en main d'autres éléments documentaires ou des entretiens de personnes qui se trouvaient dans la région envisagée, c'est-à-dire à la frontière de l'Est, qui vous ont évoqué ces incursions des troupes vietnamiennes, en tout cas ces problèmes frontaliers? Est-ce que ce sont des choses que vous avez eu à connaître dans le cadre de vos activités?
Yes, to some extent. Oui, dans une certaine mesure. Est-ce que vous pouvez préciser si c'était dans le cadre d'autres documents? Est-ce que c'était dans le cadre d'entretiens? Et à quel moment, si vous vous en souvenez, vous avez mené ces entretiens? Et à quel endroit, si vous vous en souvenez également? In terms of documents, pour ce qui est d'éventuels documents, although I can't be specific about the exact time frame, there are certainly either telegrams or reports from the eastern side of Cambodia describing what the telegrams or reports say are Vietnamese incursions into what is claimed to be Cambodian territory. With regard to interviews, to my recollection, at least in my day at OCP, in my day at OCIJ, I don't recall anything specific about this. However, in the interviews I did, dans les entretiens que j'ai effectivement in the period between 78 and 84, and in the interviews in which I was involved in doing, auxquelles j'ai participé in 2005, en 2005, there are oral accounts of these kinds of events. And again, whether we're talking specifically about February 1976 and these particular locations, that's a finer distinction I'm not sure I can make. But in broader terms, yes. Mais de façon générique, oui, je peux le confirmer. Et pour rebondir sur la question de la date, vous avez indiqué que ce n'était pas forcément le 22 février 1976. Est-ce que vous avez le souvenir si ces problèmes frontaliers ont eu lieu également à d'autres moments de la période du Kampuchea démocratique? Est-ce que c'était circonscrit à une année ou est-ce que ça s'est déroulé à d'autres moments? Toujours, excusez-moi, toujours à la lumière de ce que vous avez eu en main et ce que vous avez entendu dans le cadre de vos activités. Je me répète, mais je veux que ce soit bien clair. I would like to repeat this to you just so that things are clear. Well, setting aside the difficulty of disentangling the question of presence of Vietnamese military forces inside Cambodia in a context where it's not described as in territorial encroachment on the one hand and instances in which it's described as territorial encroachment on the other, sometimes people made that distinction. N'attribue cela à des incursions territoriales. Parfois, ces distinctions ont été faites. Il y a en fait des récits. Before 1975, before April 1975, through 75, 76, and 77, and of course in the latter part of 77 and continuously thereafter, there is fighting back and forth across what I think both sides would recognize as some place that's the border. So in interviews and in official documents, internal documents, particularly post 75 for the internal documents. I don't recall any internal documents from before 75. This is happening on an increasingly large scale, right from pre-April 1975 through to 7 January 79. Monsieur le Président, je ne sais pas, je souhaite passer à une autre ligne de questionnement. Je ne sais pas si vous souhaitez qu'on marque la pause maintenant ou si vous souhaitez que je continue et que...
President, thank you. The time is appropriate for a short break. We will take a break now and return at 3 p.m. and call the officer. Please assist the witness during the break and have him return to the courtroom at 3 p.m. The court is now in recess. Pause de 15 minutes.